Le jour se lève sur ce deuxième épisode de Creativeur. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Deux petits crabes s'amènent à moi, ça fait plaisir. Et puis alors le petit crabe là, tranquille, il rentre chez moi, genre sans pression. Bref, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, ça pète la forme. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de Creativeverse. Merci pour vos retours les amis. Voici le commentaire du jour. Voilà, c'est un peu une nouveauté que j'ai envie de faire. J'ai envie d'afficher un petit peu vos commentaires sur mes vidéos, histoire de vous remercier, et bien de commenter. Donc voici le commentaire du jour, c'est celui de FlyFox. Merci à toi pour ton commentaire et merci à tous pour vos commentaires que vous me laissez à chaque vidéo. Alors pour cet épisode, ce qu'on va faire, écoutez, j'aimerais qu'on parte. Parce qu'en fait on est peut-être pas si bien là, je sais pas, j'hésite encore, j'avoue. Avant de tourner je me suis dit ouais, faudrait qu'on parte, et en même temps je sais pas si on doit partir ou pas. Moi j'ai envie qu'on explore un petit peu déjà en ce début d'aventure. J'ai envie qu'on explore et qu'on parte. Avant toute chose j'aimerais qu'on vous montre un truc. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas montré. On a des, vous pouvez voir en fait, hein, des moss torches dans mon inventaire et des coal torches. Et je voulais vous montrer que les coal torches ça éclaire beaucoup plus. Regardez, je vais enlever toutes les torches qu'on voit ici. D'accord, donc j'en ai mis plutôt pas mal. Là il fait nuit et je vais mettre une coal torche. Regardez comment ça éclaire. Ça éclaire presque 3 fois plus qu'une simple torche. Donc ça fait plutôt, plutôt plaisir. Donc écoutez, on va tout prendre. Allez c'est bon, je viens de prendre la décision en direct. On va tout prendre. Alors attends. Faut d'abord tout récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. On récupère tout ce qu'on a ici. On n'a plus rien à faire ici. Le lit aussi si j'ai de la place. Et on va partir se balader, explorer de nouveaux horizons. On va prendre la porte aussi. Et non par contre avant, alors attendez je récupère encore des torches. Faut qu'on récupère ce qu'on a laissé dans les mines. Parce qu'évidemment on est allé dans des mines dans le premier épisode. Et on avait, alors attends ici il n'y avait rien. C'est par là-bas hein. C'est par là-bas, on n'a plus rien à laisser. Juste des charbons encore. Enfin, vous savez, on a récupéré les petits trucs, donc on va tout prendre. Voilà. Oula, 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 le petit freeze, j'ai failli tomber dans le vide. Alors, on fait gaffe aux méchants. Voilà, on va vite récupérer nos dus. Voilà. Et voilà. Oh, il y a plein. Oh là, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ces méchants-là. Oh, oh. Je me casse. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ça va, les mecs? Oula, salut. Alors, lui, il brûle à la lumière du jour. Donc, heureusement, d'ailleurs. Ouais, il donne pas de loot hein. Bon voilà, on a récupéré ce qu'on avait à récupérer. Les champignons aussi donc. D'ailleurs il y avait un commentaire qui nous disait qu'il y avait un bug dans le premier épisode. C'est vrai hein. C'était un bug, lorsqu'on mange des champignons on est censé récupérer de la vie. Et à un moment donné ça a pas marché donc voilà, écoutez on va partir par là-bas. On a un biome Mesa. Mais on va le traverser je pense. Voir un petit peu de nouveaux horizons. Ça peut être assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. On va y aller. Et puis voilà. Notre inventaire, attendez, hop, notre inventaire il est vraiment full. Donc on va pas pouvoir. Ah ouais, c'est vrai, il y avait un commentaire qui me disait que j'avais pas pris mon épée. C'est vrai, hop, voilà. J'avais pas équipé mon épée en pierre. Et je comprenais pas son commentaire. Mais maintenant je viens de réaliser en direct. Donc c'est plutôt cool, voilà, donc merci pour ton commentaire. Tu avais raison. On va récupérer du driftwood tant qu'on y est. On se fait des petits plaisirs comme ça, voilà. Mais on va pas pouvoir récupérer 36 000 choses. Donc j'espère qu'on va très vite trouver un endroit un endroit pour se poser, un petit endroit sympathique, joli et safe, pourquoi pas. Voilà, ça peut être assez, assez sympa. Le biome Mesa, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ouais, ça me dit rien. J'allais dévoiler quelque chose par rapport à un projet qui arrive très bientôt. Donc je vais rien dire, mais voilà. On va pas y aller. Parce que sinon, ça va pas le faire. Vous comprendrez, vous comprendrez en temps et en heure ce que je suis en train de dire. Donc on va pas s'installer par là, on va aller ailleurs. Par là-bas ça continue. Alors j'avoue je ne sais pas. Sur cette petite musique détente, je ne sais pas s'il y a une limite. Un peu comme sur Minecraft. C'est vrai, je ne sais pas s'il y a des limites ou pas. C'est une très bonne question. Voilà. Eh mine de rien cette petite plaine elle est sympa là. À côté du biome Mesa. Là on a une petite plaine sympa. Il y aurait peut-être moyen de faire des choses. Oh regardez le petit cochon il dort. Alors je rappelle vous pouvez voir hein, le nom des choses que je pointe. Juste au-dessus de la barre de santé et de speed. Enfin d'endurance vous voyez Pixie. Voilà par exemple ça c'est de l'herbe. Ça c'est des red mushrooms. Enfin voilà. Je le rappelle évidemment pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué. Sait-on jamais ça pourra toujours servir. Si jamais on découvre des trucs. Donc là on rentre. Ah bah c'est de nouveau un biome tropical là hein. C'est de nouveau un biome tropical. Et vraiment ces biomes là ils me font peur hein, parce qu'ils sont beaux mais il y a beaucoup de méchants hein. Alors bon là on a une petite grotte. Je vois surtout des méchants au loin à l'intérieur. Écoutez faut qu'on va aller dans cette grotte. Parce qu'en vrai c'est une petite entrée de caverne sympa. On va y aller. Alors il y a deux méchants déjà. Mais avec les torches là ça éclaire bien donc ça fait plaisir. Oh il y en a trois, quatre, il y en a tout plein. Oh il y a tout plein de méchants. Alors on va les faire sortir. Regardez on va les attirer dehors.
Voilà, comme ça ils vont mourir tout seuls, ça c'est une bonne chose. Alors je pourrais les... Oh là voilà, t'approches pas trop non plus. Je pourrais les tuer hein, pour récupérer leur loot, mais on va pas, voilà, on va pas tenter le diable. On va faire ça pour les suivants. Le problème c'est que les deux ils m'attaquent en même temps. Bonjour. Ouais, cette caverne a l'air sympa. Attends, on va sous... J'ai quelques petits frises, c'est un peu relou. Alors normalement ouais, on voit sa barre de santé aussi hein. Voilà. Bah il est mort. Il y en a encore un là. Voilà. Oh c'est les pires. C'est les pires. Oh il m'a. Genre il m'a touché. Vous avez vu ça? Incroyable. On va le laisser mourir. Voilà. Oh là 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 là. Pardon. Et je m'attendais pas à ce qu'il s'approche aussi proche de moi. Maintenant normalement ça doit être plus ou moins safe. On va pouvoir s'avancer tranquillement. Non j'entends encore des méchants. Ah oui elle est grande en fait la grotte. Alors on va bien torcher à fond avec oh, y en a un qui arrive, y en a un qui arrive. Eh mais ça me fait peur hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme... Ah c'est bon c'est profond. Ok alors là on a de l'obsidienne. Non mais là y a un méchant, y a plein de... Oh là c'est quoi ça? Oh là y a des trucs que j'ai pas encore vu hein. Oh ça fait peur, oh ça fait peur. Je sais pas si on va rester vraiment longtemps ici. Est-ce qu'on a des extracteurs sur nous? Non, on n'a pas d'extracteurs. Alors attendez, on va s'en faire. Voilà, bon, on en a que deux. Oh là, oh là, oh là, oh là. Salut. Oh là, il fait quoi lui? Il me fait peur. Attendez, on va peut-être pas. Il est en train de me regarder, mais. Il a pas l'intention de m'attaquer ou. Il fait des trucs un peu bizarres. Il me fait un petit peu peur. Je pense qu'il peut pas venir. C'est pour ça qu'il vient pas. Il peut pas sauter je pense. Et il me fait peur. Il me fait peur de ouf. Salut. Je fais quoi là? On fait quoi dans ce genre de situation? Il y en a un deuxième juste en dessous. Eh j'aimerais bien me le faire mais il me fait peur. Et je pense pas qu'on ait assez stuff. Oh il y a les deux qui arrivent. Eh mais les mecs. Moi je suis pas prêt pour ça. Hein. Moi j'ai pas demandé ça. Hein. Attendez. Attendez. J'aimerais poser des blocs. J'aimerais poser des blocs. Les deux ils me regardent, oh là là ils me font peur. Vous me faites peur les mecs. Attendez vous savez quoi? Pourquoi je peux pas récupérer? Ah voilà, la stone. On va récupérer un peu de stone d'accord. Et on va se faire un petit mur là. Parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien récupérer. Oh. Et ils me font peur, je suis vraiment pas serein. En plus là on a du charbon. Ça faut récupérer absolument. Faut qu'on récupère absolument. Donc on va se faire un... Il y a d'autres méchants qui arrivent. Attendez. Voilà, on va se faire un petit mur à la Minecraft là parce que. Voilà, on ira peut-être pas pénétrer dans cette grotte tant qu'on n'est pas prêt. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je peux vraiment rien récupérer avec ce. Je peux que récupérer la stone hein, avec ce. Avec cette. Comment ça s'appelle? Cette main, voilà. Cette cellule, ça s'appelle des cellules. Hein. C'est des cellules de minage. Va falloir améliorer tout ça. Hein. On va faire ça très rapidement. On va faire ça dans cet épisode d'ailleurs. Mais d'abord, j'aimerais qu'on soit un minimum en sécurité. Voilà, à peu près. Voilà, on va remettre des torches. Donc, comment on fait là de la stone mining cell? Ah, il nous manque plus qu'une fleur. Faudrait qu'on trouve une fleur. Alors, attendez, l'extracteur. Déjà, on va le placer sur le plus important, à savoir le charbon. Voilà, comme ça il va s'en occuper pendant qu'on va chercher des fleurs. Nous il nous faut encore une fleur et comme ça on pourra avoir une mining cell, donc une cellule de minage beaucoup plus performante. Alors attendez, où c'est qu'il y aurait des fleurs? Bon, je pense que par là on devrait trouver des fleurs assez facilement. Je pense pas que les fleurs ce soit quelque chose de très compliqué à trouver. Hein. On va pas se mentir. Et bah visiblement il y en a pas grand chose ici. On a découvert de nouveaux horizons. Encore un biome Mesa par là. Alors on va éviter de se perdre quand même, moi j'aimerais juste des fleurs. Hein. Là je suis parti pour la cueillette de fleurs. Il me faut juste une fleur, n'importe laquelle. Et bah finalement c'est compliqué à trouver des fleurs, hein, visiblement. Là-bas c'est des champignons. Il y a des champignons partout. Regardez. Il me faut soit des yellow flowers, soit des blue flowers. On s'en fout, il faut juste des fleurs. C'est tout. Peu importe lesquelles. Et là, visiblement, on n'en trouve pas. En tout cas pas encore. J'aimerais bien en trouver assez rapidement quand même. Alors là, eh, c'est un truc de fou. À moins que les fleurs ça ne se trouve pas, mais ça me paraît bizarre quand même. C'est peut-être... Attendez.
Ouais, si, c'est trouvé sur la surface, donc c'est accueillir. Je me suis dit, c'est peut-être un craft à faire, on sait jamais. Ça me paraissait quand même bizarre, mais... Allez, des petites fleurs, sans déconner. En plus, j'en ai cueilli une dans le premier épisode. Alors, attendez, on va bien en trouver une deuxième. Alors, j'ai plus beaucoup de... Si je mange du champignon, ça me donne de la... Non, ça me donne pas plus d'énergie. Mais ça me restaure ma santé, donc évidemment, c'est très important. C'est ici qu'on a spawn, hein. C'est dans ces environs qu'on a spawn. C'est joli, ça. Petite cascade sympa. Pas de fleurs, hein. Pas de fleurs, mais petite cascade quand même. C'est un truc de fou. On est de nouveau au tout début, on n'a pas de fleurs. Non mais là, il me faut des fleurs, hein, parce que là, on va pas pouvoir avancer dans l'aventure si j'ai pas ma cellule de minage. Hein. Clairement, je vais vous le dire, on va pas aller loin. Il me faut une fleur. Bon, au moins, on explore aussi cette zone qu'on n'a pas explorée. Voilà, on a découvert une nouvelle zone. C'est sympa par ici. Et en vrai, c'est sympa par là. Hein. Ça me paraît plus ou moins paisible. Bon, il n'y a pas de fleurs, mais c'est assez sympa. Bon, hé, juste des fleurs. Allez, c'est bon, ça suffit les conneries. Oh, c'est beau. Ah, c'est joli par là, regardez. Je sais pas c'est quoi comme biome. À mon avis, il y aura peut-être des fleurs, mais... Waouh, il y a des belles feuilles en tout cas. Là. Non. Oh, des feuilles. Des feuilles tombées. Falling leaves. Sympa, on va récupérer. Ça peut peut-être servir à quelque chose. On a toujours pas de fleurs, hein, mais... C'est quoi ça? Alors ça, j'ai jamais vu, je crois. Ah oh, ouais, c'est quoi? Autumn leafy. J'ai jamais vu ça. Oh, c'est mignon. Ça a pas l'air méchant. Non, c'est pas méchant du tout. Attendez, est-ce que je le tue ou pas? Vas-y, allez, faut voir ce qu'il loot. Ah ouais, par contre, il attaque, hein, quand il est vénère, forcément. Il sait pas faire. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu sans trop de complexité. Et il donne des vignes et quelques petits trucs, voilà, très bien. Bon, nous on veut des fleurs. Y a pas des animaux qui lootent des fleurs, peut-être? Ouah, un biome neige. Y a des biomes neige. Alors ça, je savais pas, tu vois. Y a des fleurs, là, ça y est, j'en ai trouvé. Ah bah, il était temps qu'on en trouve, hein. Il était temps qu'on en trouve, et pour la peine, je vais en prendre plusieurs. Comme ça, on se rassure. Et regardez, y a un biome Mesa avec de la neige. Eh mais c'est un truc de fou. Incroyable. Bon, c'est vraiment un beau jeu d'aventure, hein, quand même. Y a beaucoup de découvertes à faire, hein. Putain, y a des trucs trop... Y a des trucs trop sympas à visiter, et j'ai hâte de voir tout ça avec vous, les amis. Ça va être assez incroyable. Mais là, on va retourner dans notre petite mine. Bon, elle est pas à côté. Mais comme on a déjà placé les extracteurs, on va un petit peu s'établir par là-bas. Et puis je pense qu'on partira dans cette direction pour nos aventures. Vous savez quoi d'ailleurs? Vous savez ce qu'on va faire? On va poser une plaque de téléportation ici. Voilà, comme ça, on se téléportera ici lorsqu'on voudra repartir et explorer de nouveaux horizons. On sera téléporté sur la plaque et puis on pourra aller se balader par là-bas. Pour l'heure, on va se développer, on va crafter pas mal de petites choses et on va se mettre bien. Voilà, on va se mettre bien tranquillement, donc on va retourner à notre petite mine. Et j'espère que cette série va vous plaire à long terme en tout cas. On commence tranquillement, c'est une série chill, hein, donc forcément voilà, mais j'espère que ça va vous plaire à long terme. Et permettez-moi de vous rappeler qu'encore une fois, c'est selon mes envies. Voilà, je fais mes vidéos selon mes envies, donc si à un moment donné le jeu me lasse, je ferai une pause. Si à un moment donné je veux vraiment arrêter la série, bah je l'arrêterai. Mais là évidemment, je suis à fond dedans et on va bien s'amuser un bon moment. Par contre, faudra juste qu'on trouve... Putain, on est vraiment parti loin en fait, hein. Parce que je sais plus vraiment où c'est... Je sais plus du tout où c'est qu'on était établi. C'est assez terrible. Si, c'est par là-bas, c'est toujours bon. On est toujours dans la bonne direction. Heureusement que j'ai mis une plaque de téléportation parce que le chemin sera long dans l'autre sens encore une fois. Parce qu'on a beaucoup marché quand même. Donc là, c'est à peu près là où on a spawn. Il me semble. Qu'est-ce qu'on a là? On a le biome tropical. Non, c'est même pas encore là. Hein. C'est grave long. Et là, je suis en train de perdre toute mon endurance, donc je peux plus courir. C'est assez terrible. Attendez, mais rassurez-moi que je suis dans la bonne direction. Oh, les mecs, je me suis perdu ou quoi? Non, je me suis perdu. Là, il y a un biome tropical, mais... Ah oui, on a découvert un nouveau... Oh, je me suis perdu, en fait. Oh, les gars, je me suis perdu, la vérité. Attendez, je vais revenir par là-bas. Parce que je crois que... Je vais longer ce biome. Je crois que je me suis totalement perdu. Heureusement que j'ai un lit sur moi. Parce que là, le soleil va se coucher. Et je peux vous dire que la nuit, on va se faire pas mal attaquer. Hein.
Ouais, là, je me suis totalement perdu. Je me suis totalement chié, je sais pas comment. Donc, sur cette musique paisible, on va retourner par là-bas. Ouais, biome Mesa. Ça me parle. Ouais, à mon avis, je suis allé un peu trop loin. Oh, au pire, c'est pas grave, hein, j'ai que posé deux... Putain, regardez, il y a des monstres, enfin, il y a des mobs qui ont l'air plutôt badass. Non, mais je sais pas du tout où c'est que je vais, là. Je me suis totalement perdu, je crois bien. À moins que non, en fait. Ah, regardez, attendez. Je crois reconnaître. Alors, attendez, est-ce que ce serait pas là que j'ai dit que le biome est sympa? C'est possible. Il est fort possible. Attendez. On va reprendre par là-bas. À mon avis, c'est par là qu'on est allé quand même. Eh, je suis perdu, hein, c'est un truc de fou. Hein. Il y a grave moyen. Attendez. On va continuer. Je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. J'ai quand même un bon sens de l'orientation. Hein. Je crois que... Si on continue par là... Pas du tout. Si, je reconnais. Je reconnais les blocs blancs ici. Je crois. Oh. Alors cette musique paisible, finalement, elle me stresse un peu parce que... Si, ça va être derrière, non? Pas du tout. On a découvert un nouveau... Mon... Je me suis totalement perdu, les amis. Bon, bah, c'est pas grave. Je crois qu'on va plus jamais retrouver... Oh, les amis, on va plus jamais retrouver notre endroit. Bah, c'est pas grave. On va se faufiler dans une autre caverne en attendant. Bah, voilà, juste ici, on en a une. C'est pas grave. On a du matériau sur nous. On va pouvoir se faire plaisir. Hein. Puis, en plus, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ouais. Donc, on va se faire des torches. En charbon, alors attends, il faut faire des wood rods. Pour ça, il faut un processeur. Le processeur, on le met ici. Et on met du bois. Et on nous fait des wood rods. Voilà. Bon, ça va, tant pis, on s'est perdu. C'est pas grave, au pire, j'ai perdu quoi? Ouais, j'ai quand même perdu quelques charbons du coup. Dans l'histoire, j'ai perdu du charbon. C'est vraiment dommage. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour galérer comme ça. Pour me perdre d'une telle façon. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça commence bien. Là, par contre, il faudrait juste qu'on trouve du charbon de nouveau. Qu'on trouve de l'obsidienne. Qu'on trouve des petits trucs assez sympas. Après, c'est vrai que ce qui serait vraiment le top, ce serait de trouver un endroit pour s'installer. Mais un vrai endroit, genre où on pourra se faire une maison et tout. Et par la suite, on pourra. Ah, ça y est, on va pouvoir se faire d'ailleurs la nouvelle cellule. Regardez. La Stone Mining Cell. Hop. Là, voici. Et donc maintenant, en fait, du coup, on l'a donc dans l'inventaire. On est bien d'accord. Voilà, Stone Mining Cell. Enfin, on l'a bien équipé, je veux dire. On va pouvoir miner ceci. Donc, c'est la bedrock. Voilà, on peut miner de la bedrock maintenant. Et d'ailleurs, la stone va se récupérer beaucoup plus rapidement. Et donc là, on va pouvoir aller plus profond, découvrir de nouveaux horizons et récupérer d'autres matériaux. C'est assez sympa. Je voulais pas enlever la torche. Donc, on va y aller comme ça. On va miner. Alors, vous voyez, j'ai récupéré de la limestone. En fait, vous voyez à droite tout ce que je récupère. Vous voyez aussi les nouveautés... Voilà, donc là on vient de découvrir la limestone. Donc la pierre limée quoi, hein. Très belle traduction. Je sais pas où on va, hein. Le but du jeu c'est juste qu'on trouve du charbon et des trucs assez sympas à récupérer. Alors on voit pas grand chose, c'est du petit minage opti. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, hein. C'est pas comme ça qu'on arrivera à quelque chose en vrai, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous entends derrière vos écrans en train de dire qu'est-ce qu'il fait Mkolo, c'est n'importe quoi. Alors déjà on va récupérer la wood rod et on va se faire des torches. Mais genre des vraies torches. Ah! Bah j'ai plus de charbon, c'est une blague. Bah oui, j'ai utilisé tout le charbon pour la mining cell. Oh là là, la galère, vous comprenez pourquoi il nous faut du charbon. Bon. Bah écoutez, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment et on va pas perdre plus de temps. On va prendre le lit, d'accord. Ok. On va dormir ici. Oh, c'est pas très confortable, mais enfin bon, on va dormir ici. On va attendre le jour. Et dès que le jour se lève, on se téléporte. Et on découvre de nouveaux horizons. C'est parti. Allez, on va se téléporter. Le jour s'est levé, on est bien d'accord. Il est 5h18 du matin. On se fait téléporter donc là où on a posé notre plaque à l'instant, juste avant, bien évidemment. Donc près du biome neige. Et on va aller découvrir par là-bas peut-être un petit coin assez sympa. Et un endroit pour s'établir. Ok, nous y sommes, on peut récupérer la plaque. Et on part, c'est dans quelle direction? Alors attendez, on attend que ça se génère. Je suis un peu perdu.
Bah alors? Où c'est qu'on est maintenant? Alors là. Ah oui, bah c'est par là-bas le biome-neige normalement, il me semble. C'est par là-bas le biome-neige. Oui, c'est ça, le biome-neige il est là-bas, c'est bon. Pendant un moment, j'ai eu un doute, je me suis dit, what? Où c'est que je suis? Je ne sais pas. Donc on va aller par là-bas, on va s'enfoncer entre le biome Mesa et... Enfin, c'est un biome toundra là où on est actuellement, mais... Entre le biome Mesa et le biome neige. Voilà. On va un petit peu explorer. Alors ça, c'est quoi comme bois? Elderwood. Bon, c'est différents types de bois. Alors attention, on peut avoir froid aussi, hein. Vous voyez, j'ai une jauge de froid en bas à droite, donc... Attention tout de même au biome neige. C'est vrai que c'est peut-être pas une bonne chose, finalement. Donc on va rester entre les deux, entre le biome Mesa et le biome neige. En espérant trouver un petit coin sympa pour s'installer. Et par exemple c'est quoi ça, c'est gentil ou c'est méchant? C'est gentil. Blizzard Chizard. Ça a l'air plutôt gentil, je pense que si on l'attaque bah il s'énerve aussi, forcément. Mais ça a pas l'air très méchant. On continue par là. Alors là on a des... Oulalalala, regardez-moi ça. Alors le biome Mesa je pense que c'est vraiment les... C'est un biome canyon du coup. Oh là. Salut à toi. On va pas trop le déranger lui. Hein. On va pas trop l'embêter. On va continuer. On va tracer notre route. Voilà, vous voyez, il y a des... Oh, il y a des trucs assez hardcore. Oh punaise. Quelle connerie. J'aimerais vite me barrer. Je suis vraiment pas serein dans ce genre d'endroit. Donc on part. On va essayer de sortir de... Oh, il y en a deux. Bonjour. Oh là là, je me casse. Et ils me suivent. Hein. Ils me suivent totalement. J'aimerais bien qu'il me laisse tranquille. Là on a un petit oasis, c'est sympa. Cet endroit est sympa mais comme il y a des méchants c'est pas cool hein. C'est pas cool du tout. J'ai plus d'endurance. Attendez, je vais attendre de reprendre de l'énergie avant de passer ce mec là. Ouais, on va y aller. Alors là on a de l'eau. Il y a plein de méchants. Enfin il y a plein de boss quoi. Là aussi en face de nous. Eh c'est con parce que c'est des endroits sympas où on pourrait s'installer. On va aller dans l'eau. Parce que là, eux, ils vont nous mettre la misère. Ils vont nous mettre la misère. Alors, d'ailleurs, vous m'avez dit en commentaire, la version premium, enfin, ouais, la version payée, quoi, chose que je n'ai pas, eh bien, on peut avoir des élytras. Ah non, pas des élytras, qu'est-ce que je raconte, hein, une sorte de... Ah, comment ça s'appelle? Bah bref, les ailes, quoi. Hein. Les ailes, je sais plus comment ça s'appelle. Du sky... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça nous permet de voler quoi. Et c'est vrai que ça peut être assez sympa, mais c'est que la version premium, donc évidemment c'est pas mon cas. Donc on pourra pas utiliser ça, mais... Vous savez quoi, je vais le tuer pour voir. Ouais, lui va me mettre sa misère. Il va mettre la misère. Hein. C'est peut-être pas une bonne chose de l'attaquer. Alors pour le moment il m'attaque pas, enfin il m'a pas donné de dégâts. Oula, il fait des trucs bizarres. Il fait un peu peur monsieur. Ok, sa santé descend pas mal. Ça y est, il m'a mis un coup, ça fait mal quand même. Oh, ah ouais, ça fait mal, attendez. Je vais manger du champignon. Eh, c'est compliqué à tuer ça quand même. Hein. Enfin, ça prend du temps. Hein. Alors, faut que je fasse gaffe à ma santé quand même. On va faire gaffe à la santé. Il lui reste quoi? Il lui reste rien. Voilà. Alors, il nous a donné des trucs... des blizzards, chizards. Oh là, j'ai pas compris ce qu'il nous a donné, mais il nous a donné. D'accord. Bon, ça servira pour crafter. De ce que j'en comprends. On va continuer par là-bas. J'aimerais bien qu'on sorte de ce biome neige finalement. Parce que moi, je vais mourir de froid. Alors pour le moment, ça va. On mange du champignon pour reprendre de la santé. Et j'aimerais bien qu'à la fin de cet épisode, on trouve un endroit où on peut s'installer, quoi. Un endroit où on sera paisible, où on pourra, voilà, avoir plein de choses à proximité. On pourra se faire une maison. Se construire des trucs assez sympas, j'aimerais bien. Mais là on est vraiment, on n'a pas de chance, on est dans un désert glacé. En fait le nom du biome il est écrit en haut. On est dans un désert glacé donc voilà, il fait froid et puis juste à côté il y a un biome Mesa, donc le biome où il y a tous les méchants. Ah mais là regardez, là-bas je crois qu'on a trouvé une perle. Je crois qu'on est sur une pépite. Parce que là on a un petit lac, un cours d'eau sympa, ça y est. Là c'est un petit coin sympa je pense. Surtout qu'on a le biome avec tous les méchants à côté, pas loin, donc c'est vraiment bien. Parce que ici on est plus ou moins en sécurité, mais à tout moment on peut aller de l'autre côté pour aller chercher la misère. Donc ça c'est pas mal. Je pense qu'ici on peut être pas mal. Donc là on est sur un biome assez sympa.
C'est un biome océan. Ah ouais, d'accord. Donc on a une vue sur l'océan là-bas. D'accord, alors attendez. Je pense qu'il y a moyen de se mettre bien. Alors niveau énergie, je suis vraiment pas bon. Hein. J'arrête pas de courir, c'est chiant. Alors n'hésitez pas, je sais plus c'est quoi. En haut, vous voyez les points cardinaux. Ah ouais, et puis on a une belle forêt juste là. Là on est bien, là, ici. En fait, il y a une sorte de météorite bleue qui clignote et qui apparaît de temps en temps, en fait, en haut. Et je sais pas ce que c'est. J'ai beau aller dans la direction à chaque fois, ça ne me mène à rien. Et c'est sympa par ici. Franchement, c'est sympa par ici. C'est tout paisible, tout peaceful. Il n'y a pas trop d'arbres pour déranger la vue et tout. Et franchement, ici, je sais pas ce que vous en pensez. Juste en face, on a le biome Mesa. Et j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup l'idée. On est entouré du biome Mesa. J'aime beaucoup l'idée, là. Juste ici, là. Ça donne envie de terraformer. Et vous savez quoi? C'est ici qu'on va s'installer, les potes. Ici, on va terraformer, on va se faire une maison, là. D'accord? Ça vous dit, on va se faire une maison ici, les amis. Franchement, c'est une bonne idée. Enfin, c'est mon envie, en tout cas. Et pour le moment, comme on peut pas encore se construire de maison, on va s'établir tranquillement sous terre. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. On va creuser par là. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite, là, avec la mining cell en stone. On va se mettre là. On va refaire pareil, je sais c'est répétitif, c'est comme le premier épisode, bon ça va un peu plus vite du coup, mais on va s'établir ici, temporairement, histoire de mettre un petit peu nos affaires, et puis on fera en haut une maison. Voilà, on va poser le lit ici, le coffre par là, et puis, ah si il est là, pardon, le processeur, j'ai cru que je l'avais pas emmené. Voilà, donc là on est pas mal. On va tout de suite mettre une plaque de pression ici. Enfin, une plaque de pression. Le téléporteur ici, comme ça, si jamais on se perd, on pourra se téléporter ici. Ce serait dommage de ne pas retrouver ce joli endroit. C'est vrai que c'est joli, hein. Enfin, c'est joli. C'est un petit coin sympa. Après, on pourra toujours trouver mieux, sait-on jamais. Mais pour le moment, ici, ça m'enflamme. Ici, ça m'emballe, on va pas se mentir. Bon. En commentaire, dites-moi ce que vous proposez qu'on fasse pour le prochain épisode. Parce que c'est vrai que moi je vois tout en vrac et j'ai pas d'organisation. C'est-à-dire que dans ma tête, j'aimerais bien continuer d'explorer. J'aimerais bien construire une maison. J'aimerais bien aller explorer des mines. Mais voilà, je sais pas quoi faire. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous mettre des pouces bleus pour que je puisse voir lequel vous motive le plus. L'activité à faire en priorité. Vous me dites en commentaire, je regarde tout ça et puis si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et pour m'encourager, n'hésitez pas à partager à vos potes la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'était Mkolo. Ciao tout le monde !